on est pour ma première vidéo de ma série de tutos. Je sais pas vraiment comment je vais l'appeler, probablement tuto bull. Je sais pas, j'ai pas d'inspiration. Et dans cette série, j'avais fait des tutos comme je viens de le dire. Et aujourd'hui, on va voir un petit tuto de maison que je viens juste de créer. En réalité, il y a peut-être plein de monde qui l'a déjà créé, mais moi, c'est pour ma première vidéo. Voilà. Donc, je vais vous montrer premièrement à l'extérieur. Voilà. La petite cheminée. Et pour ceux qui me regardent, non, ce n'est pas une bite. C'est bien une cheminée. Ok, je sais que dans les commentaires, tout le monde va me le dire, hein? Hein, Joël, je t'entends. Non. D'accord. Donc, l'intérieur. Voilà, des petits coffres, des lits. D'accord. Ici, j'ai mis des panneaux. Non, ce n'est pas un passage secret. Regardez, il n'y a rien. Ici, four, table de craft. Voilà. Donc, une petite maison parfaite pour si vous vous mettez en mode survie. En plus, ça ne coûte pas cher en minerai. Donc, je vous retrouve quand j'ai fait la liste de tous les blocs qu'il nous faut. Donc, ellipse. Donc, j'ai fait le tri des blocs. Donc, pour ce tuto, il vous faudra de la cobble. Des plans, des troncs d'arbres. Ben, des troncs de n'importe quel arbre, si vous décidez. Après, moi, j'ai choisi de chêne parce que j'adore le bois de chêne. Des planches pour faire tes comme ici. Ben, ça aussi, c'est à votre choix. Des tableaux, ça c'est pour la fin, donc je vais pas les prendre tout de suite. Des vitres, voilà. Donc moi j'ai pris des vitres noires parce que je trouve ça beau. Mais vous pouvez mettre des vitres normales si vous n'êtes pas en version où il y a les vitres de couleur. Tout dépend de vous. Un coffre, ça aussi c'est pour la fin. Un lit, ça aussi, pour la fin. Table de craft et four, ça aussi pour la fin. Pot de fleurs et toile d'araignée, ça aussi c'est pour la fin. Escalier, ça je vais le prendre tout de suite. Et j'avais oublié la petite porte en chaîne. Après ça, je vais faire le tri des éléments ici à l'extérieur parce que je n'ai pas fini l'extérieur encore. Ça, je vais le faire tout de suite après avoir juste fait la base de la maison là, pour vous montrer. Donc, déjà, vous faites un pilier de 4 de hauteur. Bon, regardez, je suis caché ici, mais bonjour. Donc, moi je vais la faire ici. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et après ça, vous faites ça comme ça ici. Voilà. Dans un petit style. Vous laissez 1, 2, 3 blocs comme ça. Donc, vous pouvez tout de suite mettre la porte. Voilà. Voilà. Ici, vous mettez juste de la cobble. Ça. Et vous faites la même chose. Donc, 1, 2, 3, 4. Comme ça. Voilà. Il y a encore un. Vous redonnez encore un petit style, donc vous pouvez mettre, ben ici c'est il faut, ouais, comme ça, voilà, c'est pas le fait. Je vais juste regarder si on peut pas mettre le jour, je sais que c'est pas dans le thème, mais ah, ça fait chier. Bon, après ça, vous laissez, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc, au septième bloc, vous remettez un pilier, vous faites la même chose. Donc, vous refaites ici aussi la même chose. Vous les reliez comme ça. Comme ça. Comme ça. Vous mettez de la cobble juste ici. Voilà. Voilà. Donc, voici le plan. Donc, je vais vous mettre à l'écran les chiffres. Donc, ici, c'est 6 blocs. 6, 3, 3. Donc, je vous mets ça à l'écran. Voilà. Donc, maintenant, on va faire le plancher. Donc, le plancher, moi, je l'ai mis en bois parce que j'adore le bois dans Minecraft. Et dans la vraie vie aussi. Je trouve ça beau. Mais vous pouvez mettre n'importe quoi.
Donc maintenant, on va commencer les murs et un petit bout de la cheminée. Donc, ben, on va tout de suite faire la cheminée. Donc, ici, vous cassez. Voilà. Donc, si vous voulez, vous pouvez mettre du bois. Ça... C'est pas d'importance. Mettez. Ben. Attendez. Je vérifie. Ah, voilà. Faites ça comme ça ici. Regardez. Donc, à l'intérieur, là, faites ça ici. Laissez juste un petit espace ici. Vous allez voir pourquoi après. Vous faites. Un 3 par 2 ici de cobble et vous montez de attendez 1 2 3 4 1 2 3 4, voilà. Et après ça, à la fin, ben, on va pouvoir mettre le petit pot de fleurs avec les cobwebs, donc les toiles d'araignée, pour faire la fumée. Donc maintenant, on va s'attaquer au mur. Donc ici, vous faites de 2 par 2 ici, comme 4 comme ça. Vous faites la même chose de l'autre côté. Ici, vous placez juste deux blocs comme ça. Vous mettez la vitre et vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà, donc. Je vais le faire à ma rapidité. Vous pouvez mettre stop. Regardez, je vais en attendant que vous le fassiez, je vais mettre ça comme ça. Voilà, vous avez bien regardé le plan. Et là, je vais vous montrer de l'autre côté. Voilà, c'est la même chose. Les murs. Voilà. Je vais prendre le temps pour que vous le fassiez. Voilà. C'est la même chose de l'autre côté. Et la cheminée. Voilà. C'est la même chose juste ici. Voilà. Je vais m'attaquer au plafond. Donc le plafond, je l'avais fait. Ok. Donc le plafond, vous allez prendre, comme moi je prends des bûches. Des petites bûches, des petites rondades. Et vous remplissez ça comme ça, comme ça ici. Voilà. Vous pouvez les placer différemment. Moi, je les place comme ça parce que, voilà, je trouve ça beau encore. Maintenant, on va s'attaquer au plafond. Ben, au plafond, voilà. Donc, j'ai déjà un petit peu commencé. Vous mettez trois escaliers juste ici. Ah, donc, devant la porte. Ici, sur le côté. Donc, six escaliers. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, je dis pas de la merde. Ici, 6 encore. Voilà. Et ici, vous faites juste en mettre 2. Vu que ça peut pas passer au travers. Après ça, vous placez 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 escaliers comme ça. 8 escaliers comme ça aussi de l'autre côté. On en place 3 ici, on s'en fout que la cheminée est comme ça. Voilà. Ici, vous faites la même chose. Et vous remplissez, ben, c'est vous qui décidez, moi je le remplis de bûches. Vous pouvez soit le laisser aller à l'air libre, soit le remplir comme moi. Vous faites le contour encore ici comme ça, donc c'est de 2, 4, 6, 6 blocs comme ça, 6 blocs comme ça, 3 comme ça, 3 comme ça. Vous rebouchez encore si vous voulez, moi je rebouche de cette manière, et voilà. Donc le plafond est fait. Maintenant je vous rejoins dans quelques secondes pour s'attaquer à l'intérieur. Donc, juste. Alors, re les abonnés, donc, juste pour vous montrer, j'avais oublié de poser quelques blocs, donc les blocs de l'expo. On n'a rien vu. Je suis trop con. Donc, j'avais oublié de poser les blocs de l'intérieur, et j'avais oublié parce que dans la maison, bien sûr, il faut de la lumière, et il y a une torche à l'intérieur pour vous montrer, regardez. Aïe! Je m'appelle la torche. Nul. Bon. Donc, pour faire l'intérieur. Donc, premièrement, vous placez la petite torche juste ici à l'entrée. Vous pouvez la placer à quelque part d'autre, mais moi, je la place ici. Les deux tables de craft et le four juste ici, donc à l'endroit où on avait creusé. Voilà. Donc, je vais vous montrer dans notre maison. C'est parfait.
Maintenant, ici, c'est deux coffres, les deux lits, voilà, et les tableaux. Donc, je vais essayer de retrouver les mêmes tableaux. Oh merde, voilà. Les mêmes tableaux qu'il y avait là. Donc, ici, c'est les roses, ici, c'est les bonhommes. Donc, rose, attendez. Donc, ici, non, là, non, c'est supposé d'avoir les roses. La minute chiante. Ah, voilà. Ici, c'était... Non, pas lui, pas lui. Non, 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 non. Et donne-moi le, putain! Voilà. Ici, c'était lui, me semble. J'irai voir après. Ici, c'était le genre de bonhomme. Ils sont là à trouver. Mon jeune, s'il vous plaît, faites quelque chose pour les pains, pour les tableaux. C'est chiant, on peut jamais trouver les bords. Ouais. Mon jeune. Donc vous pouvez... Ah, voilà. Vous pouvez mettre vos propres tableaux. T'sais, si maintenant vous avez un pack de textures perso, ben, vous pouvez le mettre. Okay, c'est les genres de sushi dans une ville. C'est ça que je vois. Ici. Allez, les sushis dans la ville. T'avais vu? Ah, non, non, non! Non! J'ai pu la merde. Ok, je touche plus. Je touche plus. Je ne touche plus. Touche plus à rien. Donc, je vous retrouve quand que j'ai fini de prendre tous les blocs. Et puis, après ça, je vais vous montrer l'extérieur. Donc, ellipse. Voilà, re les abonnés. Donc, voilà. Vous voyez que j'ai fait quelques modifications à l'extérieur de la maison. Et ça, on va les faire ensemble. Ça aussi. Donc, pour commencer l'extérieur, on va tout de suite faire la cheminée. Voilà, donc la cheminée, c'est facile, vous posez juste un pot de fleurs, juste ici. Faire comme la bouche de sortie. Et vous placez des cobwebs. Donc, moi, je les place un petit peu n'importe comment. Voilà. Voilà, regardez, c'est un bon image. On va pas? Non? Voilà. Je suis trop con. Je suis trop un petit kid. Donc, ici, vous allez commencer le petit chemin. Donc, moi, j'ai mis un chemin comme ça. Puis, je vais mettre un chemin de terre. Mais je vais vous montrer de la manière. Donc, moi, je l'ai fait. Ici, donc, vous placez une cobble. Une dalle en stone brick. Vous pouvez mettre aussi des blocs de stone brick. Et une escalier en cobblestone. Voilà. Maintenant, juste ici, placez une dalle en cobblestone. Je vais vous montrer après, mais c'est juste parce que... Voilà, donc une stone normale ici. Du gravier ici, voilà, donc je vous montre juste un petit peu le début. Voilà, parfait. Après ça, juste ici, escalier, ok. Ici, juste ici, là, devant la stone, vous mettez... une escalier en cobblestone. Ici vous mettez de la stone normale. Ici vous mettez de la cobblestone. Je vais checker voir si c'est bien ça ou... Oui. Voilà. Ici vous mettez une escalier, pas une escalier mais une dalle de briques, ben de pierre. Voilà. Ici. Traduction française de merde. Donc ici vous mettez du gravier. Et ici, une dalle en cobblestone. Voilà, donc je vais vous remontrer. Voilà, je vous laisse le temps de tout vérifier. Voilà. Donc, après ça. Attendez. Ok, donc, ici, vous mettez du gravier.
Et si vous mettez une dalle de cobblestone, et si vous mettez un bloc de cobblestone, voilà, je vous montre. Comme ça. Après ça, ici vous mettez une dalle de briques de pierre. Après ça, ici vous mettez une stone, et ici vous mettez un escalier en cobble. Donc, je vous laisse regarder un petit peu le pattern. Je vais vous mettre les configurations à l'écran, ben les diamètres. Voilà. Et maintenant, il ne reste plus qu'à poser de la bonne mille par terre. Donc, pour ceux qui ne savent pas, la bonne mille, quand tu la poses à terre, donc la bonne mille, ceux qui ne savent pas traduire l'anglais, c'est tout simplement de la poudre d'os. C'est un os que t'as égrené, que je pourrais dire. Puis ça, ce qui paraît, quand tu plantes ça dans terre, tu donnes ça aux plantes, ben ça fait pousser. Je sais pas si c'est vrai. Faudra que je regarde sur des documentaires, puis blablabla. Donc, c'est la fin de ce tuto, les amis. J'espère que vous aurez apprécié. Personnellement, moi, j'ai bien aimé faire ça. N'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire, ça ferait énormément plaisir. Surtout, abonnez-vous. Partagez sur Twitter et Facebook. Alors, on se dit à la prochaine. Allez, peace!